Total impro. Total impro. Moi, c'est total impro. Dans mon programme vidéo, c'est toujours l'impro. Bonjour les amis. Je suis heureux d'être aujourd'hui avec Marilène. Marilène Bergman. Oui. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Ne me dites pas que vous la connaissez pas. Pas tous. Non, je pense pas. Les Lorrains, oui, les Belges. Les Lorrains et les Belges. Alors, les Belges, bien entendu, vous savez quoi? Je suis avec Marilène. Et Marilène est quelqu'un qui m'a fait rêver quand j'étais adolescent. Marilène, qui était, bien entendu, animatrice sur RTL Télévision, oui. Fin des années 70, 80. Oh, oui, ça fait bientôt 40 ans de carrière. Hein. Oh là là, oui. Voilà, tout ceci ne nous rajeunit pas. Et vous voyez, donc. Marilène était quelqu'un qui faisait partie de ma famille audiovisuelle. Mmh. On regardait Citron Grenadine à l'époque. Oh là là, ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas, mais voilà, tu as fait partie de ma jeunesse. Vous, les amis belges, qui avez connu en effet ces émissions Citron Grenadine, c'était Marilou. Et ce sont de bons souvenirs. Et ce sont de très bons souvenirs. Voilà. Voilà, c'était la chaîne que je regardais parce que justement, tu étais pétillante. Et d'ailleurs, regardez, elle l'est toujours. Elle est toujours. Je fais beaucoup d'efforts pour ça, mais rien que de te côtoyer, Michel, on a déjà plein d'autres positives. Merci beaucoup, mais j'avais envie de vous dire. Cueillez la vie comme elle vient. Ouais. Voilà, Marilène, on s'est rencontrés il y a 6 ans. On vient de se rendre compte que ça fait 6 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et on aurait pu dire, voilà, Marilène, on s'est rencontrés sur Facebook. Je ne sais même plus comment ça a commencé. Sûrement à travers Internet, comme voilà, ça. Voilà, exactement. Puis, et voilà, on peut parfois penser que les gens sont inaccessibles parce que ce sont des stars, des vedettes, etc. Et Marilène fait partie de ces gens qui vous donnent envie de croire aux anges parce qu'elle-même en est un. Oh là là, quelle belle formule. Mais, franchement, oui. Mais je crois que les gens qui ont en eux cette part de positivité se reconnaissent comme on s'est reconnus. Et c'est tellement un bonheur de le partager et aussi de l'offrir aux autres. Oui, exactement. Donc voilà, partageons, partageons, partageons. Et là, on en voit plein d'embruns marins. Exactement. Et plein de bonnes ondes positives. Croyez en la vie et soyez heureux. Moi, j'ai plus rien à dire. Je vous juste montre qu'elle est. Oh oui, volontiers. Et ce bisou, il est pour moi, je ne vous le partage pas. Mes amis, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Au revoir. À bientôt.